le développement de cette montre est quand même un long processus, parce que depuis l'idée de départ, partir vraiment d'une feuille blanche, je dirais qu'il a fallu 2 ans entre le moment où l'idée est partie au service de recherche et développement, jusqu'au moment où on a mis la première montre sur le marché. Pour avoir les premiers prototypes, il a fallu 18 mois, les prototypes qu'on a montrés lors des salons. À partir de là, il y a eu quelques améliorations, plus la production derrière, donc je dirais 2 ans pour tout le processus.